Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, on a eu la petite Johnson qui est venue dénoncer son camarade le meilleur. Soi-disant parce qu'il était, il faisait quelque chose d'illégal derrière le préau. Je suis allé voir, je me suis précipité pour arrêter cet acte malfaisant. En fait, le meilleur, il était juste assis en train de dormir. Et en effet, dans le règlement intérieur, il est interdit d'avoir son postérieur posé dans l'enceinte du lycée, par terre, hein, j'entends bien. Donc, elle a bien fait, hein, je l'ai puni comme il se doit, en lui donnant 400 lignes à écrire. Après, bon, je vous avoue qu'en ce moment, c'est pas fou. Hein, non, il y a eu des trucs plus trépitants, mais là, pff, non, ouais. En même temps, le meilleur, ça m'étonnerait qu'il ait lu ce règlement, comme beaucoup d'élèves. Et la fille Johnson, là, elle l'a lu, je pense qu'elle le connaît par cœur, par contre. Non, elle, par contre, s'il y a une connerie dans le lycée, elle, tout de suite, elle va. Elle sait, elle voit tout. Je pense que je devrais l'engager comme une nouvelle CPE, elle devrait prendre ma place. C'est pour dire, hein, elle est super douée pour ça. Non, elle a une bonne vocation, hein. C'est sûr que c'est ce qu'elle doit faire. Excusez-moi. Oui, bonjour. Johnson, c'est ça, oui. Vous voulez parler de quelque chose en particulier? Peut-être de mon dernier exposé qui était brillant et parfait, à mon image, oui. Non, de l'incident avec Monsieur Demeyer. Très bien. Bon, bah, c'est plutôt simple. J'allais chercher des cours quand j'ai vu Monsieur Demeyer assis dans la pelouse en train de dormir. Qu'il dormait n'était pas la chose qui me dérangeait le plus, même si il devrait dormir la nuit, comme tout le monde. Mais c'est surtout que il était assis par terre et c'est enfreindre une des règles. Qui est ligne 16, page 4 du règlement. Oui, je connais le règlement par cœur. Et on m'apprend depuis ma première année de droit qu'on doit faire régner la justice. Donc je ne voyais pas pourquoi je n'irais pas prévenir le CPE pour lui en informer. Tout simplement. Voilà. Après, Monsieur Demeyer, c'est pas quelqu'un que je porte vraiment dans mon cœur ou même dans ma tête. Mais. Il est comme tout le monde et il devait subir la punition, comme toute personne qui enfreint une règle, voilà. Eh bien, si vous avez eu toutes les informations qui vous fallait, si vous voulez parler de mon exposé, eh bien, rappelez-moi. Au revoir. Alors, après avoir écouté, monsieur le CPE, votre plainte, je vous avoue que je ne suis vraiment pas d'accord. Alors, pour ma défense, voilà. Cette nuit, comme vous le dites, je n'ai pas lu le règlement. Mais cette nuit, justement, je m'étais résolue à le faire. Et tellement votre règlement est long, ça m'a pris toute la nuit. Alors aujourd'hui, forcément que j'étais un petit peu fatiguée. Alors j'en ai profité pour m'asseoir dans l'herbe. Parce que bah, l'herbe, c'est doux, c'est moelleux, c'est voilà. Pour me faire une petite sieste avec le soleil, tout ça. Alors, par rapport à la punition, je ne suis pas d'accord. Pour ma défense, 400 lignes, je trouve que c'est beaucoup. Parce que 400 lignes, c'est 400 fois la même chose à écrire sur des feuilles qui vont partir après, bien sûr, à la poubelle, monsieur. Et puis, la petite Johnson, j'ai appris qu'elle m'avait rapporté. Et bah oui, comme d'habitude, en fait, elle rapporte tout le monde. Voilà.